Bon, alors bonjour. Aujourd'hui, on va étudier un phénomène très intéressant qui s'appelle la diffraction. Donc, on a déjà vu l'interférence dans les fentes d'ongles et dans les pellicules minces. Maintenant, on va regarder ce qui se passe. Bon, avec les fentes d'ongles, on avait un phénomène qui s'appelle l'interférence quand on avait deux fentes minces par lesquelles une lumière cohérente passait. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on a une seule fente mince. Puis ensuite, on combinera les deux phénomènes à la fin du cours. Mais pour commencer, je vais vous donner la théorie sur la diffraction. Alors, la diffraction. Donc, la diffraction est un étalement du front d'onde lorsqu'une onde traverse une ouverture ou rencontre un obstacle. Ça peut se produire avec n'importe quel type d'onde. OK, donc ça peut se produire avec de la lumière, ou avec du son, ou avec des vagues sonores. OK, puisqu'il n'y a pas de changement dans le milieu de propagation, vitesse de l'onde reste constante. Donc, on avait vu dans un des premiers cours, quand on expliquait le phénomène de réfraction avec le modèle de Huygens, de Huygens par exemple, on voyait qu'il y avait variation de vitesse de la lumière entre les deux milieux. Par exemple, si on avait le rayon de lumière qui arrivait du verre, il était à la vitesse de la lumière dans le vide, donc la vitesse C. Mais quand il rentrait dans le verre, sa vitesse était légèrement différente. On avait conclu ça en disant qu'il n'y avait pas de changement de fréquence à l'interface parce que le nombre de fronts d'onde qui arrive à l'interface R-vert doit être le même à chaque seconde que le nombre de fronts d'onde qui quitte l'interface R-vert. Et ça, c'est la fréquence. Donc, on avait déterminé que la fréquence était constante. Et puisque on sait que la vitesse d'une onde est égale à la longueur d'onde fois sa fréquence, si F est une constante et V est une constante, alors on va voir que la longueur d'onde est aussi une constante dans la diffraction. OK. Donc, comme je l'ai dit, on peut l'expliquer aussi par le principe de Huygens. Peut s'expliquer avec le principe de Huygens, dont on a déjà parlé, mais dont je ferai un petit topo tout à l'heure. Je ferai un rappel tantôt. OK. Alors, on va regarder maintenant différents cas de réfraction avec des ondes sonores. Exemple 1. Donc, on va avoir une onde sonore qui traverse une fente. Donc, onde sonore.
sonore traversant une fente. Bon, ça peut être une porte ouverte. Hein? Vous avez de la musique dans une pièce. Le son traverse dans la pièce suivante. Alors, on va schématiser on va schématiser tout ça. On va le représenter. Donc, on va regarder ça vu de haut. Donc, ici, on a le mur. Ici, on a la porte. Tout ça, c'est vu de haut. On a une source sonore qui va émettre des fronts d'ondes circulaires. On peut centrer notre source parfaitement. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va émettre des fronts d'ondes circulaires. Donc ça, j'ai dessiné les crêtes vues de haut, les creux. Donc ça, c'est notre source sonore. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'elle va traverser la porte? Alors, pensez-nous que de toute façon, les ondes sonores vont dans toutes les directions. Hein, et que les fronts d'ondes sont toujours perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde. On va faire plus large, là. On va faire plus long. Voilà, et c'est vrai dans toutes les directions. L'onde se propage dans toutes les directions, les fronts d'ondes sont toujours perpendiculaires. Alors, sans le phénomène de diffraction, les fronts d'ondes auraient cette allure-là. Donc on voit qu'on entendrait le son de l'autre côté de la porte, de l'autre côté du mur, seulement dans cette zone-là. On n'entendrait pas le son ici. Mais l'expérience nous montre qu'on entend quand même un peu de son ici, du son atténué, mais on entend quand même, donc c'est le phénomène de diffraction. Alors je vais redessiner rapidement le même schéma, avec la même ouverture. On a toujours notre source qui va être ici au centre, qui va envoyer ses fronts d'onde. Bien sûr, les deux directions comme ça ici vont toujours être vraies, mais on va avoir aussi de la diffraction qui va se produire ici. Donc le rayon qui va frapper le coin de mur va être légèrement dévié. Tant et si bien que les fronts d'onde vont avoir cette allure-là. Et ici, il va y avoir ça, on pourrait dire que c'est la diffraction ici. Et dans cette zone-là, ici aussi. Voilà, premier exemple. Un autre exemple avec le son, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand un son passe à côté d'un coin de mur. Exemple 2, son passant un coin. Alors on peut s'imaginer, je vais le dessiner côte à côte ici, ça va être plus simple. Donc je vais dessiner ici un coin de mur. Puisque je vais faire le schéma deux fois, je vais le redessiner ici aussi. Donc
ça, c'est un coin de mur. Vue de haut toujours. OK. Donc là, on va mettre le haut-parleur ici. Tiens, la source va être collée sur le mur. Alors, on sait que, ben, si je commence par dessiner les directions de propagation, on sait que les rayons vont aller dans toutes les directions. Et que les fonds d'onde vont toujours être perpendiculaires aux directions de propagation de l'onde. Il va y avoir des creux. Alors, sans diffraction, si mon haut-parleur est ici, collé sur le mur, et qu'on est ici sur le coin de mur, on n'entend aucun son. Alors que l'expérience nous montre que ce n'est pas vrai. Si on se met ici, on va quand même entendre du son. Alors, refaisons un peu qu'est-ce qui va se passer. Donc, on a la direction de propagation des fronts d'onde. Avec les minimums, les crêtes. Vous voyez, ce que l'expérience va nous montrer, c'est qu'on va avoir... On va avoir une diffraction ici. Donc, on va entendre... du son dans cette zone-là. Et ici, on va entendre un son très, très atténué. Donc voilà, on va avoir la zone de diffraction ici. Donc, je vous rappelle, ça, c'est un mur qui est fermé. Ça, c'est un mur qui est fermé. Voilà, comme introduction pour la diffraction, c'est assez intéressant. Donc, ça nous permet de voir que finalement, il y a eu un étalement des fronts d'onde quand l'onde rencontre un obstacle. Donc, sans diffraction, avec diffraction, sans diffraction et avec diffraction. Maintenant, on va se concentrer sur la diffraction causée par une ouverture. Donc, on va se concentrer sur ce cas-ci, ici. Donc, dans le prochain tableau, je vais vérifier la fente des fronts d'onde diffractés en fonction de la largeur de la fente ou de la largeur de l'ouverture, si vous préférez. Ouais, je pense, avant d'effacer le tableau, je vous ai dit que ça, c'était les ondes vues de haut. Mais je vais faire quand même un rappel. Donc, par exemple, ça, c'est quand vous laissez tomber une pierre sur une surface d'eau calme, vous allez voir des fronts d'onde circulaires concentriques qui vont s'étaler dans l'espace. Mais on peut très bien aussi regarder sur le profil, au ras de l'eau, voir qu'on va avoir des vagues, des creux puis des crêtes. Donc, je vous ai dit, les lignes foncées, les lignes pleines, c'est des crêtes, les lignes pointillées, c'est des creux. Donc, je vais aussi vous dessiner à quoi pourrait ressembler l'onde si on la regardait de profil. Donc, pendant qu'on y est, on va le faire. Donc ici, on aurait l'onde, on aurait un creux, on aurait une crête, un creux, une crête, un creux, une crête, et ainsi de suite. Et ça, c'est vrai dans toutes les directions, pour tous les dessins, tant et si bien que l'espacement entre deux crêtes
on sait c'est une longueur d'onde, ou l'espacement entre deux lignes pleines, c'est une longueur d'onde aussi. Bien sûr, l'espacement entre deux creux, c'est aussi une longueur d'onde. Donc, c'est facile de le visualiser soit avec la vue de haut, soit avec la vue de profil. OK, maintenant, on va regarder l'influence de la largeur de la fente sur la diffraction. Donc, on va dessiner quatre largeurs de fente différentes. Puis, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais séparer mon tableau comme ça. Ça, à peu près à l'échelle. OK, donc une première fente très, très, très large. Une deuxième fente un peu moins large. Encore une autre un peu plus petite. Et finalement, une toute petite. Bon, je vous rappelle que ça, c'est un mur ou un écran à lequel il y a deux fentes, il y a une fente. Donc la fente, c'est la partie à jouer. Et vous voyez très bien que sa largeur diminue constamment. OK. Alors, on va dessiner nos fronts d'onde qui arrivent. Nos fronts d'onde, ils arrivent toujours perpendiculairement. En fait, donc les ondes sont perpendiculaires à l'ouverture. Donc, les fronts d'onde sont parallèles aux fentes. Alors, on va imaginer qu'est-ce qui se passerait. Et bien sûr, la lumière couvre toute la fente. Donc, le faisceau de lumière n'est pas plus petit que l'ouverture de la fente. Il couvre toute la fente. Donc, on va... Donc, ça, c'est la lumière qui arrive. Alors, si la fente est très, très, très large... On a, par exemple, ces rayons-là ici, qui traversent comme ceci. Donc, c'est les rayons de lumière. On peut voir que c'est toutes les ondes, tous les rayons de lumière qui arrivent. Et comme on l'a dit tantôt, ben, en fait, si l'ouverture est très large, on va voir qu'à ce moment-là, on va avoir seulement, on n'aura pas de diffraction. Je vais faire les dessins et ensuite je les analyserai. Je vais donner quelques explications sommaires. Ici c'est la même chose, donc je ne vais pas redessiner les fronts. Bon, je peux redessiner les fronts d'onde qui arrivent, tiens, pourquoi pas. Les fronts d'onde qui arrivent ici. Je fais la place. Donc ici il va se produire. Un phénomène de diffraction, comme on l'a dit tantôt. Donc, il va y avoir une légère diffraction ici. Et on verra tantôt pourquoi la largeur de la fente a une influence sur la diffraction.
une chose par ici, on va aller plus vite. On a toujours les rayons sans trop, qui ne sont pas déviés. Quoique ceux-là courbent un peu. Après ça, on va dessiner le rayon central ici. OK. Alors, je vous rappelle que les fondants doivent toujours être perpendiculaires au rayon de propagation. Donc, ce qu'on va observer ici, c'est donc il va avoir une diffraction presque circulaire. Et si le fondant de, si la fente est très 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 petite, ce qui va arriver ici, c'est que ça va devenir un fendon parfaitement circulaire. Qui va aller dans toutes les directions. OK. Je vous rappelle que la longueur d'onde, c'est celle-là ici. Donc ça, c'est une crête. Creux, crête, creux. Donc elle ne change pas, la longueur d'onde. Le milieu avant l'ouverture est le même après l'ouverture. Donc la lumière ne change pas. Alors ici, on a des limites. On a A, beaucoup plus grand que la longueur d'onde. On va définir A comme étant la largeur de la fente. Ici, on a A plus grand que lambda. Ici, on a A à peu près égal à lambda. Ici, on a A beaucoup plus petit que lambda. Et puis tiens, je vais en profiter pour dire que ma longueur d'onde, on sait, c'est ça. Donc on voit que l'ouverture de A est de l'ordre de la longueur d'onde. Alors ici, les fronts d'onde restent rectiligne après le passage de l'ouverture. Dans le deuxième cas, lorsque la longueur d'onde est plus grande que A, mais pas tellement plus grande que A, on a un peu de diffraction. Donc la diffraction étale les fronts d'onde. La diffraction étale un peu les fronts d'onde qui ont passé l'ouverture. Quand A est à peu près égal à lambda, les fronts d'onde sont presque sphérique. Mais leur amplitude est plus
importante, plus grande, si vous voulez, au centre. Donc ici, j'aurais pu les schématiser comme ça ici, les continuer avec une ligne un peu plus douce. Et on voit qu'ils ne sont pas parfaitement sphériques, ils n'arrivent pas parfaitement perpendiculairement à l'interface. Tandis qu'ici, les feuilles fondantes sont parfaitement sphériques. Et vous voyez qu'ils sont tous perpendiculaires à l'interface de l'autre côté du mur. Pourquoi? Bien, c'est parce que, comme d'habitude, le rayon ici traverse. Ensuite, il diffracte de manière égale dans toutes les directions. Alors, on verra que le cas le plus important, le plus intéressant pour la diffraction, c'est pas celui-ci, puisque c'est une diffraction, mais on ne verra pas un beau patron de diffraction. Donc, on verra que lorsque A est à peu près égal à lambda, c'est un cas intéressant, c'est un cas qui est moins intéressant. On verra que quand A est à peu près, est un peu plus grand que lambda, c'est très très intéressant. Mais je reviendrai tantôt. OK. Donc, dans ce cas-ci, le front d'onde sont sphériques. Et ont une amplitude, ou si vous préférez, une intensité, si c'est de la lumière dont on parle, constante, uniforme. Alors dans ce cas-ci, ben, on n'aura pas le fameux patron d'interférence qu'on va analyser tantôt, parce que la lumière de l'autre côté de la plaque va être uniforme partout. Donc nous, quand on fera tout à l'heure, je vous vends le punch, on va chercher des endroits où on a des franges brillantes puis des franges claires, des franges sombres, puis on va chercher les positions des minima. Et là, on voit qu'on n'en aura pas de minima. Donc, le premier minima va se situer à θ égale à 90. Je vais expliquer ça tantôt. Donc, ce n'est pas un cas qui est intéressant pour nous. OK. Donc, on va vérifier maintenant, dernier point, le principe de Huygens dont je vous ai parlé, qui va nous permettre d'expliquer maintenant la diffraction à travers une fente simple. OK, le principe de Huygens maintenant. C'est comme ça qu'on va utiliser. C'est de ce principe-là dont on va servir et dont on a déjà parlé, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début du cours, au début de la session. Donc, je vais le rappeler parce que ça remonte à quand même assez longtemps. Et c'est ce principe-là qui va nous servir à expliquer le phénomène de diffraction à travers une fente simple. Alors, selon le principe de Huygens, chacun des points d'un front d'onde agit comme une source de petites ondes secondaires. Les ondelettes de Huygens et qui sont émises, on peut l'écrire, ondelettes de Huygens et qui sont émises avec la même phase.
que l'onde principale dont elles sont issues. Ces ondelettes interfèrent entre elles. Et leur superposition détermine le comportement ultérieur de l'onde. De le dire, elles vont servir à créer le front d'onde suivant. Donc, elles servent ou elles créent, ça va être plus clair, elles créent le front d'onde suivant. Voilà, donc on peut imaginer, je vais faire deux petits schémas là, donc on peut imaginer qu'on a des fronts d'onde, on va les faire rectilignes pour commencer. Donc j'ai un premier front d'onde ici, qui se déplace comme ça, ça ce sont les rayons de lumière. Alors chacun des points peut être séparé en une infinité de petits fronts d'onde secondaires qui vont agir comme des sources ponctuelles. Donc, on peut imaginer qu'ils vont envoyer des ondes à leur tour. Ces nouveaux fronts d'onde vont créer le front d'onde, ces nouvelles ondes vont créer le front d'onde secondaire. C'est la même chose si l'onde se déplaçait dans des directions radiales. Donc imaginons qu'on a une onde ici, ici et ici. On sait que les fronts d'onde doivent être perpendiculaires aux directions de propagation de l'onde. Alors, si je veux avoir des fronts d'onde secondaires, des nouvelles, je peux en faire une infinité. Hein. Donc, de toute façon, pour les besoins de la cause, on n'en fait pas une infinité, mais ça, c'est vrai jusqu'à l'infiniment petit. Et chacune de ces nouvelles ondes-là, ces ondelettes de Huygens, vont créer des nouveaux fronts d'onde, des nouvelles sources ponctuelles de lumière. Et leur interférence vont créer le nouveau front d'onde, le front d'onde suivant. Voilà, c'est aussi simple que ça, le front d'onde, le principe de Huygens. Et comme je l'ai dit, on va s'en servir pour expliquer la diffraction. Alors, j'ai quand même assez de place, donc on va continuer. Maintenant, on va regarder ce qui se passe. On va regarder à quoi ressemble le patron de diffraction, ou la figure de diffraction si vous préférez, créée par une fente simple. Donc la figure de diffraction produite par une fente simple.
OK. Donc, je vais vous faire un dessin pour commencer, puis après ça, on va expliquer du texte. Donc, le dessin. Bon, je vais commencer par le texte. Lorsqu'on fait passer une onde cohérente, par exemple la lumière, à travers lorsqu'on fait passer une onde cohérente de longueur d'onde lambda à travers une fente de largeur A, on observe, sous certaines conditions, et des conditions qui vont dépendre du rapport entre la longueur d'onde et la largeur de la fente, donc du rapport lambda sur A, un patron de diffraction, ou une figure de diffraction, c'est dessiné. Donc, je peux vous la dessiner. Donc, on va dessiner d'abord un axe, comme l'axe Y. Quand on faisait les fendions, on avait l'axe Y. On va avoir ici l'axe central. Ici, on a 0. Et puis, on va avoir notre fameuse fente, simple, qui va être située au milieu. On envoie toujours les ondes cohérentes perpendiculaires à l'interface. Et bien sûr, il faut que toute l'onde couvre le trou. La largeur du rayon ne doit pas être plus petite que le trou. La longueur d'onde, on peut la représenter comme ça ici. On peut la représenter au milieu ici. Voilà. On peut aussi déterminer la direction de propagation de l'onde comme on le fait tout le temps. Voilà, comme ça ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer au centre? Ce qu'on va observer d'abord. Donc, on va tracer un graphique de l'intensité. Donc, ici, c'est l'intensité lumineuse qu'on va observer. Et on va se rendre compte qu'à différents endroits, on va avoir des minimums des franges sombres. Je vais les rapprocher là, pour en faire plus. Donc, on va faire quelque chose de plus beau. Donc, je peux prendre ça ici,
Donc ça va être des annonces, ça va être des minimums d'intensité. Au centre, on va avoir un grand maximum. Ensuite, on va se rendre compte que les maximums diminuent. Donc, ça va ressembler à ça. Voilà. C'est le graphique d'intensité qu'on mesurait avec un ordinateur, si on mettait un capteur de lumière. Ici, on a l'intensité, l'axe de l'intensité, la position. Et on verrait qu'on a une grande frange centrale qui est très brillante. Mais ce qu'on observe, nous, au laboratoire, c'est pas ça. Ce qu'on observe au laboratoire, c'est sur un écran. Donc, je vais vous dessiner l'écran. Et sur notre écran, on va voir des taches claires et des taches sombres. Donc, ici, on aurait une première tache claire. Deuxième tache claire, troisième tache, on va appeler ça des franges claires, tiens, comme ça ici. Voilà. Puis là, ça va arrêter, c'est parce que mon graphique dépasse. OK. Ça, c'est un endroit où il y aurait beaucoup de lumière. Elle serait très intense. Ici, il y aurait de la lumière, mais elle sera un tout petit peu moins intense. Ici, encore un petit peu moins intense. Et ici, encore moins intense. Là, je vous rappelle que l'intensité est représentée par le graphique mathématique ici. Donc, c'est ce qu'on observait au laboratoire. On aurait des franges claires, des franges sombres, des franges claires, des franges sombres, mais on se rendrait compte que contrairement à l'interférence avec deux fentes, où l'intensité des franges claires était toute la même, était identique, ben dans la diffraction, la frange centrale, elle est beaucoup plus intense que les autres, que les franges secondaires. Une autre chose qui est différente par rapport à l'interférence avec deux fentes, on remarquait que l'espacement entre chaque frange claire était le même. Ici, on se rend compte que la frange claire centrale est deux fois plus grande que toutes les autres franges claires. Donc, c'est une particularité qu'on va étudier aussi. Comment on va analyser ça? Bon, déjà, sur mon graphique, je peux vous dire... Ici, j'ai l'intensité maximale. Ensuite, on va regarder... Nous, on va s'intéresser à la position des franges sombres, les minima. Les minima, on va les appeler M. Grand M égale à 1. Grand M égale à 2. Grand M égale à 3. Grand M égale à 4. Ensuite, de l'autre côté, grand M égale à moins 1. Quand M égale à moins 2, quand M égale à moins 3, quand M égale à moins 4. Est-ce qu'on va se regarder, on va trouver une équation maintenant dans le prochain tableau qui va nous déterminer la position des minima. Donc des franges sombres. On va les appeler les minima de diffraction. Et ça, c'est l'angle θ qui va nous intéresser. On va avoir une équation qui va nous donner sinus de θ. Donc, sur cet axe-là, dans un premier temps, je peux dire c'est sinus de θ. Ça va s'éclaircir au prochain tableau. Mais je pourrais le convertir éventuellement en y pour avoir la hauteur y ou la position y des minima de diffraction. Donc, on fera les conversions tantôt, mais restons simples pour l'instant. Bien sûr, on a, comme autre paramètre, on a la distance de l'écran. La distance de l'écran
on va l'appeler L. Quand L, comme on le faisait pour l'expérience de Young. Et la largeur de la fente, je l'ai dit, c'est A. Et ici, vous avez la longueur d'onde, lambda. Donc, ce sont tous les paramètres qu'on va utiliser pour essayer de déterminer, trouver une équation qui va nous donner la position des minima. On ne va pas s'attarder à une équation, en tout cas pas dans ce cours-ci, peut-être dans un cours optionnel un jour. On ne va pas s'intéresser à l'intensité des maxima, ni à la position des maxima. On va les calculer, les positions des maxima, on va les calculer de manière indirecte tantôt. On ne va pas s'intéresser à leur intensité. Je peux vous dire que c'est avec les vecteurs de Fresnel qu'on peut faire ça, mais ce n'est pas une section qu'on va faire pour l'instant. OK. Alors, nous allons tenter de prédire les positions Theta ou Y, on le fera avec Y tantôt, des franges sombres qui sont ou qui ont des intensités nulles. S'appelle les minima. On va utiliser le principe de Huygens. Okay. Donc, par le principe de Huygens, on va considérer que le front d'onde traversant la fente est constitué d'une infinité de petites sources secondaires. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je l'ai dit ici, donc, avec le principe de Huygens, on va, considérer l'onde traversant la fente comme étant constituée de plusieurs sources ponctuelles secondaires. Hein, c'est les fameuses ondelettes de Huygens dont on a parlé. Le principe est juste ici. Et donc, c'est Fresnel qui a donné cette explication. Donc, explication donnée par Fresnel pour expliquer le phénomène de diffraction dans une fente. Pour simplifier finalement les calculs, l'analyse, on va utiliser les critères de Fraunhofer pour simplifier. On va utiliser les deux critères de Fraunhofer. Donc, dans un premier temps, on va dire que les fronts d'onde arrivant à la fente sont pleins. Donc, c'est ce que j'ai dessiné ici. J'ai mes fronts d'onde qui sont pleins. Et deux, l'écran est situé
à une grande distance. Grand que A. Donc la distance de l'écran, L, majuscule, est beaucoup plus grande que A. Ce qui va nous permettre de considérer que les ondelettes qui sortent sont parallèles entre elles quand elles se dirigent vers un point. Parce que vous voyez, regardez, ici je vous ai mis le trajet d'une seule ondelette, une ondelette du milieu par exemple, qui se dirige vers ici. Mais dans le reste de l'analyse, on va arbitrairement choisir de séparer la fente en 12 ondelettes. Donc, il faut que chacune des ondelettes soit parallèle. Ça ne sera pas vrai si l'écran est trop proche. Mais si l'écran est très, très, très loin, on a eu le même raisonnement quand on faisait les fentes d'Young. Si l'écran est très, très, très loin, on va pouvoir considérer que les ondelettes sont parallèles entre elles. Ça va simplifier l'analyse. Et puis, on pourra aussi utiliser l'approximation des petits angles pour convertir sin θ et tangente θ, puis avoir le y plutôt que le sin θ. Donc, on va se considérer que l'écran est situé à une grande distance, donc L beaucoup plus grand que A, de sorte que les ondelettes soient toutes parallèles entre elles difficile d'écrire ici avec le rebord du tableau entre elles lorsqu'elles se dirigent vers un point de l'écran. Prochaine diapo, on va commencer à regarder la fente, faire un agrandissement de la fente, et on va se concentrer sur les deux, ben en fait sur pourquoi la frange centrale est si brillante par rapport aux autres. Ok, maintenant comme j'ai dit tantôt, on va s'intéresser au fait que la frange brillante centrale soit deux fois plus large que les autres. Oui, mais pas tout de suite. On va s'intéresser surtout au fait qu'elle soit beaucoup plus brillante que les autres. Alors, la frange brillante centrale. On va dessiner, pour commencer, un dessin vaut mille mots. Donc, on va dessiner ce qui se passe avec la frange brillante. On va faire un très grand agrandissement de l'ouverture. On va le séparer en 12. Donc, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça va être chacun de mes nouveaux frondons, de mes nouvelles ondelettes de Huygens. Donc je peux les dessiner comme ça ici. Je vais en avoir une ici, voilà. Ça, c'est mon écran troué. Et ça, c'est la fente en tant que telle. Les frondons, selon le principe de Fraunhofer, doivent arriver perpendiculairement. Donc ici, on va considérer qu'on a une onde pleine, un front d'onde, donc un maximum. Ensuite, on va avoir un minimum. Un maximum. Ben, en fait, quand je dis minimum, maximum, c'est une crête et un creux. Une crête et un creux.
Et de l'autre côté, pareil. Sauf qu'il faut que la lumière couvre toute la fente. Et bien sûr, il y a de la diffraction ici, un peu sur les côtés, comme j'ai dessiné tantôt, mais je ne vais pas m'y intéresser tout de suite. On va s'intéresser à ce qui se passe à l'angle θ est égal à 0. Donc, à l'angle θ est égal à 0, elle se dirige vers le centre de l'écran. Donc, on a dit que ces ondes-là, on peut les représenter comme ceci. Et bien sûr, de l'autre côté, elles ressortent aussi. Comme on peut constater, puisque l'angle θ est égal à 0, il n'y a pas de différence de marche. Rappelez-vous le cours sur les formes de Young. Alors, comme il n'y a pas de différence de marche jusqu'à l'écran central, et que chacune de ces ondes-là est cohérente, donc même longueur d'onde, et sont en phase, c'est ce que ça veut dire cohérente, elles vont arriver toutes au même endroit, ils vont faire au fond de l'écran, au centre de l'écran, ils vont faire de l'interférence destructive. Et c'est pour ça que puisque toutes ces... J'en ai fait 12, on va faire une infinité, on va les numéroter quand même. Donc on va se servir de cette numérotation-là pour les autres cas. Donc ici j'ai la 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ce sont mes 12 ondelettes de Huygens. Bon, les 12 ondelettes que j'ai choisies pour faire mes démonstrations. Donc, au centre de l'écran, lorsque θ est égal à 0, toutes les ondelettes, en fait les 12 ondelettes, sont en phase entre elles, sont cohérentes, font de l'interférence destructive. On va l'écrire ici. Donc, à l'angle θ 0, lorsque θ est égal à 0 degré, les 12 ondelettes parcourent la même distance jusqu'à l'écran. Ok, donc la différence de marche est nulle. Donc la différence de marche qu'on a appelé delta est nulle. Et comme elles sont en phase, puisqu'elles sont en phase, elles arrivent en phase. Elles arrivent aussi en phase aussi à l'écran et forment toute de l'interférence constructive
entre elles. Ça, c'est vrai lorsque θ est égal à 0. Mais lorsque θ n'est pas égal à 0, donc on a dit si θ est égal à 0, mais si θ n'est pas égal à 0, il y a certaines ondes qui vont commencer à avoir des différences de marche différentes entre elles. Bon, bien sûr, les différences de marche vont être différentes. Donc, il y a certaines ondes qui, même s'ils étaient en phase en quittant la fente, elles vont former de l'interférence destructive. C'est ce qui explique pourquoi, si on regarde la forme, du patron de diffraction, ben, l'intensité n'est pas maximale pour la frange centrale au complet. L'intensité diminue graduellement. Pourquoi? Ben parce qu'au fur et à mesure que θ augmente, il commence à y avoir un peu d'interférence destructive entre les ondelettes, ce qui fait diminuer l'intensité de la frange centrale. Elle reste claire, elle reste brillante, mais puisque toutes les ondes ne sont plus en phase entre elles, il y a de l'interférence destructive qui vient diminuer l'intensité. À certains endroits, certaines valeurs de θ bien particulières, qu'on va calculer tantôt, les ondelettes vont s'annuler entre elles. On verra qu'elles s'annulent deux par deux. Puis ça va être vrai pour tous les autres points au minima. Donc, on va... Dans ce qui suit, on va s'intéresser à, dans les prochains tableaux, on va s'intéresser aux positions θ, sin θ, des minima de diffraction. Mais ça, ça explique que le seul endroit où l'intensité est maximale, c'est lorsque θ est égal à 0. Lorsqu'on dévie un peu de θ égal à 0, on commence à perdre une partie de l'intensité du signal jusqu'à ce qu'on obtienne un 0 de signal. Donc, je vais résumer ça ici. Donc, au centre, à θ égale à 0, ou si vous préférez y égale 0, l'intensité est maximale. On l'avait appelé Imax sur le plan graphique de tantôt. Okay? Si θ augmente un peu, l'intensité de la frange, ou des côtés de la frange centrale, des côtés de la frange centrale diminue. Jusqu'à atteindre la valeur de 0 au premier minima. Donc m égale à plus ou moins 1. Donc ici on a m égale à 1, m égale à moins 1. Donc, ça va nous permettre, ça, dans un premier temps, de calculer la largeur de la fente centrale, mais d'expliquer pourquoi, ben, d'abord, son intensité diminue au fur et à mesure que θ augmente, et pourquoi, à certaines valeurs de θ, elle est égale à 0. Et là, maintenant, dans le prochain tableau, on va s'intéresser exactement aux valeurs qui donnent les minima de diffraction, donc les franges sombres du patron de diffraction. OK, donc on a vu, nous, que dès que θ variait un peu, de θ à 0, l'intensité de la frange centrale diminuait, jusqu'à ce qu'on obtienne une première frange sombre, deux franges sombres de part en part de la frange centrale.
Alors maintenant, on va s'intéresser à la position des franges sombres, les minima. Donc, à certaines valeurs de θ, toutes les ondelettes font de l'interférence destructive par paire de deux. On verra pourquoi dans la démonstration. Et le résultat global, c'est qu'on va avoir de l'interférence destructive à l'écran, donc une frange sombre. Le résultat global sera de l'interférence destructive, donc une frange sombre sur l'écran. Alors, une image au milieu, donc on va dessiner une première frange, la première frange sombre. Première frange sombre. On va dessiner encore un agrandissement de la fente. On va la séparer en 12, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on va regarder ce qui se passe lorsque θ n'est plus égal à 0. Donc on va leur donner chacun le même angle, θ. Je rappelle qu'au début, toutes ces ondes étaient cohérentes. On va numéroter les franges. Donc, 1, 2, en fait les ondettes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va regarder ce qui se passe. Donc, on va remarquer que pour la frange 1, et pour la frange 6, il va avoir de l'interférence destructive. Donc, traçons la différence de marche. La 1 et 7, pardon. La 1 et la 7. Traçons la différence de marche entre la 1 et la 7, juste pour voir. Pour avoir de l'interférence destructive, il faut que... Bon, je vous rappelle que ça, c'est la différence de marche, ici. Donc, la différence de marche delta, 1 et la 7, doit correspondre à une demi-longueur d'onde pour qu'on ait de l'interférence destructive entre la 1 et la 7. Pourquoi? Parce qu'à partir d'ici,
la 1 et la 7 ont le même trajet jusqu'à l'écran. Donc, si celle-là, elle part vers le haut, donc elle va vers une montée, elle va vers une crête, et celle-ci doit descendre vers un creux pour qu'elle soit déphasée d'une demi-longueur d'onde, décalée d'une demi-longueur d'onde ou déphasée de pi. Donc, ça doit correspondre à une demi-longueur d'onde. Ensuite, quand ça va continuer, on va bien voir que celle-ci et celle-ci vont toujours être décalées d'une demi-longueur d'onde. Alors, on peut vous donner des points de repère pour mieux voir. Et ça va être vrai pour différentes paires. Donc ça va être vrai pour les paires 1 et 7. Ensuite que j'ai dessiné. Ça va être vrai pour les paires 2 et 8, 3 et 9, 4 et 10, 5 et 11 et 6 et 12. Donc ces paires d'ondelettes vont former d'interférences destructives entre elles. Elles vont toujours être déphasées de pi, si on préfère. Donc, elles vont arriver à l'écran pour former de l'interférence destructive. Faisons un agrandissement de tout ça et concentrons-nous maintenant juste sur la frange 1 et la frange 7. L'onglet 1 et l'onglet 7, pardon. Donc, on va avoir ici la 7. On va avoir ici la 1. On les fait partir avec un angle θ, comme ça ici, comme ça ici. C'est quoi l'espacement entre les deux onglettes? Ben, on peut très bien voir que ça correspond à la moitié de l'écran. Et l'écran, il a une largeur de A. Donc on peut très bien voir qu'ici, on a A. Ensuite, la différence de marge dont on a parlé tantôt. Elle doit correspondre à une demi-longueur d'onde. L'angle θ est le même pour les deux parce qu'on est dans la limite de Fraunhofer où l'écran est tellement loin, c'est-à-dire que L est beaucoup plus grand que A. Les rayons qui quittent la fente sont tous parallèles, donc on peut tracer un angle droit ici. Et l'angle θ, on peut le retrouver ici. Et ici, c'est pas A, mais c'est A sur 2. C'est la moitié de la fente. Donc, on en déduit très facilement une première équation qui nous dit que A sur 2 sinus de θ est égal à delta. Et delta doit être égal, par condition pour avoir de l'interférence destructive, à une demi-longueur d'onde, donc lambda sur 2. Donc, si A sur 2 sinus de θ est égal à lambda sur 2, on peut trouver que sinus de θ est égal à lambda sur A. Ça, c'est pour la première frange sombre. Donc, première frange sombre. On va appliquer le même raisonnement maintenant pour la deuxième frange sombre.
Alors, ça va se produire en θ un peu plus grand. Donc, on va faire le même principe. On va séparer notre fente en 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et maintenant, pour un angle θ plus grand, on va se rendre compte qu'on va avoir de l'interférence. Bon, les franges, on va les ondettes, on va les numéroter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va se rendre compte qu'on va avoir de l'interférence destructive pour la frange 1 et 4. Donc la 1 et la 4 vont faire de l'interférence destructive entre elles. Donc, on peut supposer que cette différence de marche-là ici, delta, doit être égale à lambda sur 2. C'est toujours la condition pour avoir de l'interférence destructive. Mais maintenant, on voit bien que c'est plus A sur 2, mais c'est A sur 4. Alors, si on faisait un agrandissement de tout ça, donc d'abord, on va dessiner l'onde. On a une première onde ici, voilà, alors que l'autre ici, elle part comme ça. Donc, on voit que ces deux ondes-là vont être déphasées, toujours de pi ou décalées d'une demi-longueur d'onde. Et ça, c'est vrai, donc je l'ai dit tout à l'heure, ce qui était vrai pour les couples 1, 7, 2, 8... 3, 9, 4, 10, 5, 11 et 6, 12. Mais ça va être vrai maintenant pour d'autres couples. Donc on va avoir les couples 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 11, 3, 6 et 9. 12. Donc, ça va toujours se répéter ici. Par exemple, si je prends le couple, allons voir le couple 7-10, il peut être intéressant. Donc, j'ai 4, ensuite 7, il va encore 10, 7-10. Donc, regardons le couple 7-10 pour le fun. Pourquoi je les ai mis sur la même ligne? C'est qu'ils sont, ils se ressemblent beaucoup. Alors, on va prendre ici 7-10. Voilà. J'ai toujours mon delta d'une demi-longueur d'onde. Et quand celle-ci va partir vers le haut, l'autre va être décalé. Bon, maintenant, on va se concentrer sur le couple 1-4. Puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, pour le couple 1-4 maintenant. Donc, j'ai le 4 ici. J'ai le 1. L'espacement... Donc, on a fait un agrandissement de la fente. On s'est concentré sur l'ondelette 1 puis l'ondelette 4. Et on voit très bien maintenant que ça correspond à A sur 4. Donc, maintenant, c'est A sur 4. Les rayons partent avec un angle plus élevé. Donc, θ est plus grand. Donc ici, j'ai θ. Ils sont parallèles entre eux. Je peux tracer la différence de marche en regardant la ligne perpendiculaire
entre les deux rayons. Et je vois que ma différence de marche maintenant, j'ai déjà dit, elle doit être d'une demi-longueur d'onde. Donc on voit que les deux sont déphasés de pi ou décalés d'une demi-longueur d'onde quand elles partent pour le reste du trajet égal jusqu'à l'écran. Donc dans un même angle, ah, puis l'angle θ, bien sûr, on peut le retrouver ici facilement, c'est l'angle θ. Donc on obtient une deuxième équation maintenant qui va nous dire que pour le deuxième minima, a sur 4 sinus de θ est égal à lambda sur A. Non, j'ai une erreur là. Regarde, lambda sur 2, c'est ma condition d'interférence destructive. Je corrigerai ma note tantôt. Alors finalement, on simplifie, on va donc avoir A sur 2 sinus de θ est égal à lambda, ou si on veut, sinus de θ est égal à lambda, 2 lambda sur A. Voici ma condition pour ma deuxième frange destructive. Frange sombre numéro 2. OK, pour la troisième frange, on va aller plus vite. Là, on ne va pas refaire le petit dessin. On va juste se concentrer sur... Donc, la troisième frange sombre. Donc, on s'est capable de démontrer de la même manière qu'on a démontré pour les autres, qu'avec les combinaisons d'ondelettes 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 7, pardon, 2, 4, 6, 8 et 10, 12, on va avoir toujours de l'interférence destructive entre ces paires d'ondelettes. Donc concentrons-nous sur la plus basse, la plus celle en bas de la fente. On va prendre la fente 1, 3. Donc 1, 3. Et à ce moment-là, on peut très bien voir avec ces graphiques-là, donc à la 1, 3, ça correspond au sixième de la largeur. Donc, on va donc avoir ici A sur 6. Donc, ça ici, ça va être A sur 6. Le rayon, il part avec un angle θ encore plus grand. Il faut donc que dans cet intervalle-là, si je prends la perpendiculaire entre mes deux rayons, ce qui correspond à ma différence de marche, cette petite boîte-là ici, delta doit toujours être égal à lambda sur 2. Donc ici, j'ai une demi-longueur d'onde. Et ainsi de suite. Donc, on voit que les deux ondes sont déphasées de pi ou décalées d'une longueur d'onde, d'une demi-longueur d'onde. Donc, on fait le même principe. On a donc A sur 4 sinus de θ. Bien sûr, le θ est à la même place ici, là, dans mon triangle rectangle. A sur 4 sinus de θ doit être égal, par condition, à lambda sur 2, mon delta. Donc, en nous donnant, on va trouver que sinus de θ est égal à 3 lambda sur A. Bon, on en a fait assez pour trouver une généralité. Là, c'est intéressant. Donc, on peut bien voir ici, pour la première frange sombre, on a lambda sur A, ou si vous préférez, on a 1 lambda sur A. Pour la deuxième frange sombre, on a 2 lambda sur A. Pour la troisième frange sombre, on a 3 lambda sur A. Donc, on va être capable de trouver une équation générale
l'équation générale. Qui va nous donner la position des minima. Et on va pouvoir dire que sinus de θ est égal à grand M lambda sur A. Où M, on va pouvoir prendre les valeurs entières positives, plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, et ainsi de suite. Et vous remarquez que c'était le même raisonnement qu'on avait fait avec les fentes de Young, mais qu'on utilisait un M minuscule, bon, pour des raisons de distinction entre les deux, et que le M minuscule, pour les franges claires, pouvait prendre la valeur de 0. Hein? La frange claire du centre, c'était M égale à 0. Pour les franges sombres, M minuscule pouvait aussi prendre la valeur de 0. Hein? Pour les franges sombres, M0, c'était les deux premières franges sombres de chaque côté de la frange brillante centrale. Par contre, dans la diffraction, on n'a pas de valeur 0 pour le grand M, parce que c'est la position des minima. Et je vous rappelle que ça ressemble à ça. Hein? Donc, notre patron d'interférent de diffraction ressemble à ça. Donc, on va avoir ici M, M égale à 1, M égale à moins 1, M égale à moins 2, M égale à 2. Au centre, on va avoir notre plus grand maximum. Donc, ça va ressembler à ça. Donc, la position des minima donnée par grand M n'a pas de valeur 0. OK, on a presque fini la théorie. Maintenant, je vais continuer quand même un peu, puis je vais vous parler du fameux rapport lambda sur A. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la forme du patron de diffraction serait très différente dépendamment de la longueur d'onde, de la largeur de la fente A par rapport à la longueur d'onde. Donc, dans le prochain tableau, on va s'intéresser justement à ça et voir quelle conclusion on peut en tirer. OK, donc le prochain tableau va être assez qualitatif. Je vais m'intéresser au rapport de la longueur d'onde sur la largeur de la fente, donc lambda sur A. Et l'équation qu'on a trouvée au tableau précédent, sinus de θ est égal à m lambda sur A. On va séparer le tableau en quatre. Là, contrairement à ce que j'ai fait depuis le début, je vais mettre les fentes au-dessus. Donc, on va avoir ici le graphique avec la frange centrale. On va prendre pour commencer une fente assez large. On va réduire.
Bon. Alors, dans cette première limite, on va avoir A est égal à 500 lambda. Donc, si on préfère, le rapport de lambda sur A est égal à 1/500. Dans le deuxième cas, on va prendre A est égal à 100 lambda. Donc, le rapport lambda sur A est égal à 1/100. Dans le troisième cas, on va prendre A est égal à 50 lambda. Donc, le rapport lambda sur A, c'est 1/50. Et dans le dernier cas, on va prendre lambda est égal à A. Donc, le rapport lambda sur A est égal à 1. OK. Donc, je vais vous dessiner qualitativement les patrons d'interférence. Et c'est très qualitatif, mais j'ai fait des mesures sur un simulateur, et puis ça donne à peu près ça. Donc, dans un premier temps, on va avoir la frange centrale qui va ressembler à ceci. Le premier maximum secondaire et le deuxième. Dans un deuxième cas, ben on rétrécit la largeur de la fente, donc il y a moins de lumière qui passe. Je ne vais pas tellement m'intéresser aux intensités max, mais quand même, pourquoi pas, on peut-être la réduire un peu. Donc je vais avoir 1, 2, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vais avoir la frange centrale qui va ressembler à ceci ici. Dans le troisième, j'en ai pris deux, donc j'en ai un, deux, un, deux. Donc la frange centrale va faire ceci. Et dans le troisième cas, l'intensité est beaucoup plus petite, mais elle est uniforme. Presque uniforme. Celle-ci, je pourrais la réduire un peu. En termes d'intensité aussi. Voilà. Ce qu'on observe sur le patron d'interférence, je vous rappelle, c'est ça, c'est un graphique de l'intensité en fonction ici, donc je l'ai fait en fonction de sin theta. Donc sinus de theta, c'est toujours les mêmes graphiques partout. Intensité en fonction de sinus theta, l'intensité en fonction de sinus theta est ici aussi. Ce qu'on observe par contre au laboratoire, c'est pas ça. On observe sur notre écran, on va observer une frange claire. Qui va être très brillante au centre. Et une petite frange ici un petit peu moins brillante, puis encore une autre petite un peu moins brillante. Donc grosso modo, c'est ce qu'on va observer dans ce cas-ci. Dans l'autre cas, sur notre écran, on va mesurer une frange
centrale très brillante. Et des franges brillantes qui vont l'être de moins en moins. Même chose pour ici. Très brillante au centre. Et un peu moins brillante sur les deux côtés. Et pour le dernier, on n'observera pas de minima de diffraction. On va observer quelque chose de plutôt uniforme. Donc, une grosse tache centrale. Donc, si vous vous souvenez du premier ou deuxième tableau du cours, ça c'est le dernier cas. Le cas où lambda est à peu près égal à A. Dans le premier cas, c'est l'autre cas extrême. A beaucoup plus grand que lambda. Et si on continuait, on pourrait extrapoler ça puis dire que A beaucoup plus petit que lambda, ça va juste, je le mets en parenthèse là, entre guillemets, si on continuait A beaucoup plus petit que lambda, ça ferait juste redresser. Ici, l'intensité diffractée, elle serait parfaitement uniforme sur toute la plaque. OK. Alors maintenant, regardons ici qu'est-ce qui se passe. Donc, si lambda, si A est beaucoup plus grand que lambda, OK, toutes les franges sombres sont situées à des angles θ très 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 petits. Je vous rappelle une chose fondamentale, c'est toujours, la fente est toujours éclairée, hein. Donc, toute la fente est couverte par la lumière qui arrive. Donc, on ne peut pas dire qu'on a un laser qui passerait dans la fente et qui serait plus petit que la fente. Toute la fente, toute la lumière du laser, imaginez que ça, c'est mon faisceau laser, et doit être plus large que l'ouverture pour observer le phénomène de diffraction. Donc, c'est la même chose partout ici, avec les crêtes et avec les creux. Ce qui compte, c'est pas la largeur du faisceau laser, c'est la longueur d'onde de la lumière. Donc regardez ici, je vais mon max, mon min, mon max, mon min. Voilà. Ça, c'est la longueur d'onde. Et la longueur d'onde est la même dans chaque expérience. Donc, c'est la longueur d'onde du laser par rapport à l'ouverture qui va déterminer le patron de diffraction. Alors, dans un système optique, lorsque l'ouverture de notre système optique est beaucoup plus grande que la longueur d'onde de la lumière qu'on utilise, on se rend compte qu'on a un point, pratiquement un point avec deux, trois petits trucs autour, là,
Mais on peut imaginer que si l'ouverture grandit, bien, ces points-là vont complètement disparaître. Ici, je les ai mis pour que vous puissiez voir un peu la tendance. Mais ça, on pourrait considérer que c'est la limite de l'optique géométrique. C'est-à-dire que si l'ouverture de la fente est beaucoup plus grande que la longueur d'onde, on n'observe plus l'effet de la longueur d'onde, on n'observe plus la diffraction. Alors, ce qu'on a, c'est un point très précis, sans phénomène de diffraction autour. Et ça, c'est l'optique géométrique. Donc, on peut l'écrire. C'est la limite de l'optique géométrique. Le phénomène de diffraction ne sera pas, en fait ici de diffraction seulement, ne sera pas observé. Dans l'autre cas extrême, si lambda est égal à A, le premier minima ne se voit pas sur l'écran. En fait, pour être vraiment, vraiment rigoureux, là, je me souviens quand j'ai fait ma simulation, là, j'ai dit A est égal à 2,5 lambda. Hein? Donc, on a lambda sur A est égal à 1 sur 2,5. Mais si lambda est égal à, est exactement égal à A, on va avoir une ligne droite. Le premier minimum ne se verra pas sur l'écran. Pourquoi? Parce que d'après l'équation ici, on va donc avoir, ben, le premier minimum, c'est M égal à 1. Si j'ai 1 sur 1, ça donne 1. Sinus de θ, ça donne qui donne 1, ben, pour avoir sinus de θ qui donne 1, il faut que θ soit égal à 90. Donc, rappelez-vous, ici, c'est mon angle θ est égal à 0. Pour avoir les minima, hein, donc ici 0, ici le premier minima, ça sera ce θ-là. Je peux le dessiner, pourquoi pas. Donc ici, on a θ est égal à 0. Ici, on a le θ du premier minima. Theta de M1. Ici, on a le theta. Oh, pardon, c'est même pas centré. Ici, on a le θ de M égale à 1. Mais dans ce cas-ci, le θ égale à 0, c'est lui. Puis le θ de M égale à 1, mais il va tendre vers 90. Que les angles tendaient vers 0. Donc le premier minima, θ, il tend vers 0, il est très près. Ok, donc si lambda est égal à A, le premier minimum ne se voit pas sur l'écran parce que d'après l'équation, θ va être égal à 90. En effet, d'après l'équation, sinus de θ est égal à m lambda sur A est égal à 1 fois 1 sur 1 est égal à 1. Donc θ est égal à 90 degrés.
OK. Donc ça explique un peu les valeurs. Je vais me permettre de rajouter maintenant quelques valeurs de sin θ avec l'équation. Donc on peut très bien voir qu'avec l'équation, les valeurs de θ pour m égale à 1, donc ça je vous rappelle ici, c'est le m égale à 1. M égale à 2, M égale à 3, M égale à 4. Donc avec l'équation, on peut très facilement calculer ici qu'on va avoir lambda sur A donc sinus de θ est égal à lambda sur A, sinus de θ est égal à 2 lambda sur A, 3 lambda sur A, 4 lambda sur A. Ici, je vais avoir lambda sur A, 2 lambda sur A, et bien sûr, de l'autre côté, j'aurai moins lambda sur A et moins 2 lambda sur A. Donc, ça, c'est parce que j'ai utilisé comme valeur de position sur mon écran les positions sinus de θ. On pourrait refaire une nouvelle échelle puis dire on va utiliser l'échelle des θ plutôt que des sinus de θ. Mais de manière plus pratique, nous, on va préférer, au lieu d'avoir des angles, on va préférer utiliser des mètres. Donc, on va se servir de y, la position y des franges sombres ou des franges brillantes. Donc, on va convertir sinus de θ en y. Donc, ça va être le but du tableau suivant. OK. Maintenant, on va regarder maintenant comment on peut remplacer sinus de θ par y. C'est plus commode d'utiliser y que sinus de θ ou voire même que θ. Donc, je vous rappelle qu'on est toujours dans l'approximation dans les limites de Fraunhofer où L est beaucoup plus grand que A, donc les rayons sont parallèles, donc on va pouvoir faire des approximations. Donc, recommençons par le donc on va regarder maintenant grandeur, donc position de minima en fonction de y au lieu de sinus θ ou de θ. OK, donc, je vous rappelle, le système, c'est toujours une fente simple. Ai-je besoin de le rappeler? On a un écran qui est situé très, très, très loin, à une distance L qui est beaucoup plus grande que A, la largeur de la fente. Donc, si je prends par exemple une ondelette qui va se diriger vers un premier minima, tiens, on va dessiner le patron d'interférence, c'est toujours bon. Donc, ça ressemble grosso modo à ça. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que si je prends une ondelette qui se dirige vers le premier minima avec un angle θ et que la base de mon triangle, c'est L, et c'est L aussi, la variable L, la hauteur y va être donnée comme ceci. Donc, on voit très bien qu'on a un triangle rectangle ici. Donc, on est capable de trouver l'équation suivante, qu'on avait trouvée d'ailleurs avec les Fendiang. Tangente de θ est égale à y sur L. Parfait. On connaît notre autre équation qu'on a trouvée depuis tantôt. Donc, sinus de θ est égal à m lambda
sur A. Et avec ces deux équations-là, en utilisant l'approximation des petits angles comme on l'a fait tout au long du cours depuis le début de la session, donc on va être capable de dire que sinus de θ est égal à tangente de θ lorsque θ est en radian. Et on va donc pouvoir dire à ce moment-là que y sur L est égal à m lambda sur A. Donc, je vais l'écrire ici, ça va être plus beau, que la position des franges sombres, Y, est égale à m lambda L sur A. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, ici, on a Y pour M égale à 1. Ici, on a... Donc, on va le dessiner d'une certaine couleur, tu sais. Ici, j'ai Y, la hauteur Y pour M égale à 1. Ici, j'aurai la hauteur Y pour m égale à 2. Ici, j'aurai la hauteur y pour m égale à 3. Donc, je vais en rappelant que ici, j'ai m égale à 1, m égale à 2 et m égale à 3. Donc, ça va être plus commode de travailler comme ça. Et comme ça, on est toujours dans la limite de Fraunhofer, on va pouvoir le faire. Maintenant, analysons un peu la courbe, comme on l'a fait tantôt. La courbe, c'est le patron de diffraction, j'aurais dû dire. Donc, tiens, on va la dessiner ici. Non, j'aime pas. On va lui donner des vraies valeurs, des vraies grandes valeurs. Donc, on va la redessiner comme du monde. On a la frange, on va faire des graduations, tiens. Voilà. Donc ici, on a l'axe Y. Ici, on va avoir le 0. On va avoir donc notre premier minima ici. Là, j'exagère un peu la hauteur des minima, des maxima secondaires. C'est pour mieux les voir. Voilà. Donc, on sait, nous, que ce qu'on remarque déjà, on remarque que la frange centrale est deux fois plus large que toutes les autres franges brillantes. On peut l'appeler... On peut l'appeler B, tiens, B, la largeur de la frange centrale. Ensuite, un autre calcul qui pourrait être intéressant de faire, c'est la position du premier minima, du premier maxima. On n'a pas d'équation qui nous donne la position des maxima. Ben, on est capable de les déduire facilement. Donc ça, ça pourrait être C. Donc la position du premier minima serait à la valeur C, en partant de 0 au centre. Ce qu'on peut déduire finalement de notre équation, c'est que on a 0 ici. Ensuite, on va avoir à cette position-là lambda L sur A. Lambda L sur A fois 2. Ici, 3 lambda L sur A, 4 lambda L
sur A et ainsi de suite. Tout à l'heure, dans le tableau précédent, on n'avait pas la valeur de L parce qu'on exprimait ça en fonction de sinus de θ. Maintenant, je vous rappelle que sinus de θ, on l'a converti en tangente et que finalement, on s'est débarrassé du sinus de θ pour avoir les valeurs des y et donc les positions des y, c'est m lambda L sur A. Tout à l'heure, on avait les positions des sinus de θ pour les minima qui étaient égales à m lambda sur A. Et c'est logique parce que, regardez, ce sont des angles. Alors, plus l'écran est loin, plus les angles divergent. Donc, c'est normal de considérer l'espacement y qui augmente quand l'écran se recule parce que les rayons divergent. Alors, pour un même θ, plus l'écran est loin, plus les franges vont être séparé. OK. Maintenant, si on voulait calculer la largeur... Bon, on peut calculer la largeur... Calcul de C. Pourquoi j'ai commencé par ça? On pourrait déjà calculer la largeur d'un maximum. Donc, la largeur d'un maxima secondaire. La largeur des franges claires, des franges brillantes secondaires. C'est ça qu'on veut ici. Donc, on le voit très bien. Donc, ça va être égal ou l'espacement entre les franges claires. Donc, on voit que delta y est égal à 2 lambda L sur A moins lambda L sur A. C'est donc égal à 2 moins 1 fois lambda L sur A. Donc delta Y est égal à lambda L sur A. Ça, c'est vraiment l'espacement entre les franges claires ou les franges sombres, si on veut. Que ça va être le même tout le temps. Toc, toc, toc. Ou si je prends les franges claires avec les maximums, toc, toc, toc. Donc, c'est la largeur d'un maxima secondaire. La largeur du maxima central de la frange centrale, la frange brillante centrale, du maxima central. Bon, de l'autre côté, on voit qu'on a moins L lambda sur A. Donc, ça ne prend pas un gros calcul pour dire que c'est ça plus ça. Donc, c'est égal à 2 lambda L sur A. Et on voit que la frange centrale est deux fois plus large que toutes les autres franges brillantes. Donc, elle est deux fois plus large que les autres. Maintenant, si je voulais avoir la position du premier maxima, donc la position là, de la première frange brillante, ça ici. Hein? On a les équations qui donnent des positions. Avec cette équation-là, on trouve les positions des franges sombres. Pas d'équation qui nous donne la position des franges brillantes. Donc, comment on pourrait faire? Il y a plusieurs méthodes, mais regardez bien. On va faire un agrandissement.
Oups. Un petit peu croche. Voilà. On va se donner un bon espacement, tiens, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc, on va dessiner maintenant notre patron d'interférence. Ici, on sait qu'on a lambda L sur A. 2 lambda L sur A. Maintenant, si je séparais ça en deux, qu'est-ce que j'aurais ici? Qu'est-ce que j'aurais ici? Ben, j'aurais la moitié de la moitié de la largeur, j'aurais le quart de la largeur de la frange centrale. Bon, ça, c'est la moitié qui est représentée ici. On sait que c'est égal à lambda L sur A. Bien sûr, le 0 est toujours là. Donc, c'est facile de voir que c'est égal à lambda L sur 2A. Ici aussi, lambda L sur 2A. Donc, on est capable de voir ici que ça va être aussi lambda L sur 2A. Et de, donc, je peux le dessiner ici, ça aurait été mieux là. Lambda L sur 2A. Donc, au total, la position de la première frange claire va être situé à, donc la valeur C qu'on avait donnée tantôt, C est égal à 3 lambda Z sur 2A. OK, la position des maxima. Donc si je veux généraliser le concept, on va prendre une autre couleur. Ici, j'ai encore, donc lambda Z sur 2A, lambda L sur 2A. Donc on voit qu'ici, on va avoir, je vais les noter ici, les positions. Donc ici, on a 3 lambda L sur 2A. Ici, on va avoir quoi? Ben, 4, 5. 5 lambda Z sur 2A. Ensuite, 6, 7. 7 lambda Z sur 2A, et ainsi de suite. Donc, on est capable de déduire que la position des maxima secondaires, c'est égal à donc j'ai pas vraiment mis d'équation là, mais on est capable de les déduire. J'ai pas envie de me lancer dans une équation en fonction de m, mais je peux peut-être prendre une minute pour vérifier ce que ça va donner. OK, généralement, on ne donne pas d'équation pour la position des maxima. Hein? On donne l'équation pour la position des minima, puis c'est bien en masse. Mais là, puisqu'on a trouvé quand même une généralité assez facile à trouver, donc on va compléter un peu le concept. Donc, je vous rappelle qu'ici, on a m égale à 1. Quand m égale à 2. M égale à 3. Donc, ce qui peut être mélangeant là, avec cette équation-là, c'est qu'il va falloir associer... Bon, ça, c'est le premier minima. Ben, on va associer M égale à grand M égale à 1 au premier maxima avec l'équation qu'on vient de généraliser. 3 lambda L sur 2A, 5 lambda L sur 2A, 7 lambda L sur 2A. Donc, on peut généraliser le concept pour la position des maxima. Je peux dire que c'est égal, donc, Y est égal à 2M plus 1 fois
lambda L sur 2A. Toujours avec les valeurs de M. Qui sont égales à plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, et ainsi de suite. Les valeurs entières non nulles. Donc, pour M égale à 1, on va avoir 2 fois 1, 2, plus 1, 3, y, 1 est égal à 3 lambda z sur 2a. Pour m égale à 2, y, 2, on va donc avoir 2 fois 2, 4, plus 1, 5, 5 lambda z sur 2a. Pour m égale à 3, y, 3, c'est égal à, bon, 2 fois 3, 6, plus 1, 7, 7 lambda z sur 2a. Voilà. Je pense que ça complète la théorie sur la diffraction. Mais maintenant, je vais quand même faire le lien avec l'expérience des fentes de Young. Parce que vous voyez, dans la diffraction, on a une seule fente. Diffraction avec une fente simple, on vient de faire le tour là. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai deux fentes simples? On sait, si j'ai deux fentes simples, j'ai des phénomènes d'interférence. C'est l'expérience de Young. Mais est-ce que je vais avoir aussi des phénomènes de diffraction qui vont venir se superposer? Est-ce que je vais avoir un patron de diffraction différent pour chacune des deux fentes simples? Comment ça va fonctionner tout ça? Donc, on va faire ça au prochain tableau. OK, donc là, jusqu'à présent, on a vu l'effet d'une fente sur la diffraction. Maintenant, si on a deux fentes, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, il va y avoir les phénomènes d'interférence qui vont entrer en ligne de compte aussi. Donc, le patron d'interférence causé par les deux fentes dans l'expérience de Young va venir se superposer au patron de diffraction causé par une fente. Mais là, on en a deux. Alors, essayons de démêler les choses. On va considérer seulement la diffraction pour commencer, puis voir qu'est-ce qui se passe avec deux fentes. Donc, je vais mettre mes fentes par en haut, là, ça va simplifier les dessins, plutôt que de dessiner à l'envers. Bon, je vais sur le côté, j'aurais dit. Donc, je vais mettre une première fente ici. Ouf, tiens, on va mettre une première fente ici. Une première fente ici, puis une autre fente ben loin, ici. C'est qu'on va avoir notre Y ici. Chaque fente va avoir son zéro pour le pic central de diffraction. Ça ici, c'est la distance entre les fentes. Et la largeur des fentes, on va dire qu'elle est la même qu'elle est de A. OK. Donc, le premier patron d'interférence, ben, il va avoir la forme qu'on lui connaît. Tu sais, on va le dessiner en bleu pour le distinguer. Voilà. Donc, on peut séparer ça en parties égales pour les minima. Le deuxième aussi. Donc, on va essayer de prendre les mêmes largeurs. Ils ont les mêmes formes. Donc, on va avoir un ici. Ah, tu sais, ils vont se superposer. C'est bien. Donc, on a ça ici, ça ici, ça ici. OK, donc on va avoir le premier patron de diffraction qui va ressembler à ça. Puis le deuxième patron de diffraction qui va ressembler à ça.
Tiens, on pourrait continuer là, puis les deux ici se chevaucheraient. Donc ça, c'est ce qui se passerait si on avait deux fentes très éloignées. En plus de ça, on va avoir les phénomènes d'interférence. Donc chaque fente avec Young nous dit qu'on va avoir des franges d'interférence. Et à ce moment-là, donc ça c'est l'intensité pour le patron de diffraction, ça c'est l'intensité pour les franges d'interférence, et on sait très bien, nous, qu'on avait calculé que pour les franges d'interférence, l'espacement delta Y entre les franges brillantes d'interférence, c'était égal à lambda L sur D. Donc plus D est grand, plus l'espacement est petit. Donc on pourrait s'attendre à avoir, bon, d'abord on va avoir pour les franges d'interférence, le centre, ça va être exactement au centre des deux fentes. Une autre couleur, tiens ici. Voilà. Donc ici j'aurai une première frange d'interférence. J'en aurai une deuxième. Donc elle serait très rapprochée. Ainsi de suite de chaque côté. Elles ont toutes la même valeur d'intensité parce que pour les franges d'interférence dans l'expérience de Young, elles ont toutes la même intensité. Ici, j'ai M égale à 0, M égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et tout, ainsi de suite. Alors, ça va devenir très complexe. C'est-à-dire qu'il va avoir, si je superpose les deux patrons, ok? Donc les intensités ici sont relatives, là, donc ce qui va arriver, c'est qu'on va superposer des franges d'interférence sur le patron de diffraction. Et on va voir que l'intensité des franges d'interférence va être modulée par le patron de diffraction. Ça va être vrai pour tout. Donc ici, je vais en avoir une qui va disparaître, si je vais en avoir une. Donc là, j'y vais qualitativement, donc c'est pas à l'échelle du tout mon affaire, là. C'est juste pour vous montrer mon point. Donc c'est ça qui va arriver. Si je prends celle-là, elle va arriver ici. Si je prends celle-là, elle va arriver ici. Donc je vais avoir un motif qui va ressembler à ça. Ainsi de suite. OK, donc ça va être assez compliqué à traiter, ça. Cela dit, je vous rappelle que dans l'expérience de Young, l'espacement entre les franges était de l'ordre du dixième de millimètre. Hein? Donc si D est tout petit, puis c'est de l'ordre de dixième de millimètre, c'est-à-dire, ça veut juste dire que l'espacement entre les deux patrons de diffraction vont être de dixièmes de millimètre. Donc, ils vont être quasiment superposés l'un sur l'autre. Et dans les exercices qu'on va faire, c'est toujours ça qu'on va considérer. On va considérer des petites distances de séparation. Donc, les patrons d'interférence, on va en dessiner un seul. On va supposer qu'il est parfaitement superposé. Mais théoriquement, ils ne le sont pas. Ils sont légèrement décalés l'un par rapport à l'autre. Et chaque fente simple produit son propre patron de diffraction. Et les deux franges simples ensemble produisent les franges brillantes d'interférence. Donc à quoi ça va ressembler dans les limites des problèmes qu'on va faire? Ça va ressembler à ça. Là, je vais changer mon échelle. Ici, je vous ai dit, j'ai pris un grand D, mais là, je vais prendre un petit D. Puis je vous ai dit que plus D était grand, plus l'espacement entre les franges était petit. Et là, si je prends des espacements plus petits que ça, vous n'allez rien voir. Donc, on va considérer que les deux sont indépendants l'un de l'autre. Donc, on change les échelles pour les besoins de la cause. Alors, on va avoir une première fente ici. Là aussi, je triche sur les échelles, là, donc je vais les faire quand même donc, loin là, pour qu'on puisse voir quelque chose. Donc, on va avoir ici D,
de l'ordre de 0,1 mm. OK? Puis la largeur des fentes, bien, on sait que ça doit être à peu près 50 fois la longueur d'onde. Donc, c'est pas énorme considérant que les longueurs d'onde varient entre 400 et 700 nanomètres pour les longueurs d'onde visibles. Donc, on mettra des chiffres quand on fera les problèmes. Maintenant, restons sur le concept. Donc, on va avoir ici le Y égale à 0. La position des minima. Là, je suis en train de dessiner le patron de diffraction. Donc, il va ressembler à ceci. Voilà. En dessous, je vais avoir mon patron d'interférence, comme tantôt. Avec Y égale à 0, l'intensité des franges d'interférence, l'intensité des franges de diffraction. Et on sait, nous, qu'on va avoir au centre. Moi, je vais écrire la valeur de M ici. Quand M égale à 1, quand M égale à 2, quand M égale à 3, quand M égale à moins 1, quand M égale à moins 2, quand M égale à moins 3. OK, parfait. Donc, mettons que mes franges d'interférence sont comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On continue comme ça. On continue de l'autre bord. Quand je vais superposer les deux phénomènes, ce que je vais avoir, bon, ça c'est la frange M égale à 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça, c'est les valeurs des petits m, des franges, des ordres des franges d'interférence. Donc, quand je vais superposer les deux phénomènes, c'est ça que ça va me donner. Donc, l'intensité des franges d'interférence va venir être modulée par le patron de diffraction. La 6, elle est pas mal là. La 7, elle est pas mal là. La 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10. Bon, je suis un peu décalé, ainsi de suite. Donc, ça va ressembler à ça. Là, c'est très qualitatif, là. On fera ça mieux dans les problèmes. Donc, ce qu'on va avoir, là, grosso modo, ça va être ça. Il va y avoir le même nombre de franges d'interférence dans chaque maxima de diffraction secondaire. Je ne sais pas si j'ai mis le bon nombre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis dans la septième, donc lui, il y en aurait 6 plus 6, 12, il y en aurait 13. Dans les autres, il devrait en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on voit que ce n'est pas à l'échelle, là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, grosso modo, ça va ressembler à ça. OK. Ce qu'on observe à l'écran maintenant, ce qui est intéressant, donc, parce que bien sûr, ça, ce sont des graphiques qu'on va mesurer avec des capteurs d'intensité, puis l'ordinateur va nous tracer l'intensité en fonction de la position Y. Mais ce qu'on va observer, nous, pour de vrai, à l'écran, donc on va avoir les minima de diffraction de chaque côté ici. Ça, c'est toujours vrai. Les franges sombres vont toujours être là. Donc, les franges sombres vont toujours être ici, aux mêmes endroits, avec des espacements égaux entre elles. Parfait. Et on va observer les franges d'interférence. Qui vont devenir de plus en plus faibles en intensité, donc de plus en plus claires. Donc ici au centre, elle est très brillante, et de chaque côté, elles deviennent de plus en plus, de moins en moins claires en fait. On les voit, mais on les voit moins à chaque fois qu'on s'éloigne. Pourquoi on les voit moins?
parce que leur intensité est modulée par l'intensité du patron de diffraction. Donc, c'est ce qu'on observerait à l'écran. Donc ça, ça complète la théorie sur l'interférence et la diffraction. Juste pour vous dire, je vais faire dans les problèmes, j'en ai dit assez. Donc on va se concentrer maintenant sur les exercices pour voir comment on peut traiter tous les phénomènes. OK, donc on va faire un premier exercice, un premier exemple du Benson. C'est l'exemple 7.1, si je ne me trompe pas. Ça dépend des éditions, donc je vais prendre le temps de vérifier. 7.1, ouais, c'est en plein ça. Donc l'exemple 7.1. Bien que toute cette théorie sert à quelque chose. Hein. Alors on a dit qu'on a une fente de largeur A. Une fente de largeur A est égale à 0,1 mm. La longueur d'onde lambda est égale à, donc la longueur d'onde qui éclaire la fente est de lambda est égal à 600 nanomètres, ou si vous préférez, 600 fois 10 à la moins 9 mètres. OK. Donc, dans un premier temps, on va nous demander la position angulaire du premier et du deuxième minima. Et moi, je vais vous demander aussi, ce que je vais faire avec vous, c'est aussi, on va calculer les valeurs en mètres de Y. Donc, c'est bien d'avoir les positions angulaires, mais c'est aussi pratique d'avoir les positions en mètres. Donc, voilà. Puis ensuite, on verra d'autres questions. Donc, position du premier minima de diffraction. Donc, déjà, on va tracer notre système. Alors, je vous rappelle que de la physique sans un schéma, c'est jamais très bon de faire ça. Donc, on a la fente ici. La distance de l'écran, on nous dit, ah, je ne l'ai pas noté, donc c'est L égale à 3 mètres. C'est moi qui l'ai rajouté ou c'était dans les données du problème? Ouais. La distance de l'écran, donc distance de l'écran, L égale à 3 mètres. Voilà. Donc, on a ici L égale à 3 mètres. Donc, nous, on sait très bien qu'on va avoir des minima de diffraction espacés également. Donc, on va avoir ici grand M égale à 1, grand M égale à 2, grand M égale à 3. Mais on va nous demander les deux premiers. Donc, on va se limiter à ça. Notre figure de diffraction va ressembler à ça. Là, j'imagine que vous commencez à le savoir. Et voilà. Alors, on nous demande la position angulaire des deux premiers minima. Donc, on va avoir ici θ1 et on va avoir ensuite θ2 et moi je vais vous demander en plus, c'est pas demandé dans la question, dans l'exemple du Benson, je vais vous demander c'est quoi y1. Et c'est quoi Y2?
OK. Donc, l'équation, on la connaît. Sinus, bon, pour les positions angulaires. Position angulaire des minima m égale à 1 et m égale à 2. L'équation, on la connaît. Donc, sinus de θ est égal à m lambda sur a. Donc, c'est d'une simplicité enfantine. Alors, on va juste remplacer les chiffres dans l'équation. Donc c'est égal à 600 fois 10 à la moins 9. On va travailler en mètres. OK, divisé par A qui est en millimètres, 0,1 fois 10 à la moins 3 mètres. On va mettre la valeur de M ici. Donc M égale à 1. Ça ne change rien, mais ça va nous éviter de faire des erreurs. Donc ça, c'est sinus de θ. Donc, si on fait 600 fois 10 à la moins 9 divisé par 0,1 fois 10 à la moins 3, ça nous donne 6 fois 10 à la moins 3. Donc, θ1 est égal à arc sinus de, tout ça, quand on pitonne, ça donne 6 fois 10 à la moins 3. On va donc avoir que θ1 est égal à 0,344 degrés. Si on voulait le convertir en radian, pour le fun, hein? Donc je vais faire la conversion ici, là. Vous savez que 180 degrés est égal à pi radian, donc 0,344 degrés est égal à combien? Ça fois pi divisé par 180, ça va donc nous donner θ1 est égal à 0,006 radian. Je vais tout mettre ça en vert. On voit qu'on parle de l'angle 1, là, pour respecter ce que j'avais mis sur mon schéma. Parfait. Et 0,006 radian, ça donne quoi? Ça donne 6 fois 10 à la moins 3. Pourquoi j'ai mis ça en radian? Ben, c'est juste pour vous montrer que l'approximation des petits angles fonctionne. On voit très bien à ce moment-là que θ1 est à peu près égal à sinus de θ1. Donc si je mettais mon θ1 ici, sinus de θ1, c'était égal à... Ben, je l'ai dit ici. 6 fois 10 à la moins 3. Θ1, c'est l'arc sinus de ça. Donc en radian, c'est aussi 6 fois 10 à la moins 3. Donc l'approximation des petits angles fonctionne. On peut faire la même chose pour le minima d'ordre m égale à... Je vais effacer ici, je vais rajouter. Donc ça donne sinus de θ1 est égal à 6 fois 10 à la moins 3. Donc, c'est juste pour faire de la place, là. OK. On va regarder maintenant pour le deuxième. Donc, position angulaire du
deuxième minima, hein, pour M égale à 2. Donc le premier ici, c'était pour M égale à 1. Et là, on va le faire pour M égale à 2. Donc pour M égale à 2, on a pour respecter les couleurs sur mon schéma, on fait exactement la même chose. Donc sinus de θ2 est égal à 2 fois 600 fois 10 à la moins 9 divisé par 0.1 fois 10 à la moins 3. Donc sinus de θ2 est égal, quand on le pitonne, ça donne 2 fois plus grand que ça. Donc 12 fois 10 à la moins 3. Donc θ2, c'est la fonction inverse arc sinus de 12 fois 10 à la moins 3. Θ2 est donc égal, bon, si vous êtes en degrés, vous allez avoir 0.69 degrés. Si vous voulez faire la conversion en rad comme tantôt, vous allez donc dire 0.69 degrés fois pi divisé par 180. Donc vous allez donc avoir que θ2 est égal à 0.012 radians, ou si vous préférez, θ2 est égal à 12 fois 10 à la moins 3 radians. Ce qui met en évidence le fait que sinus de θ2 qui est égal à 12 fois 10 à la moins 3 est à peu près égal, ben, est égal à θ2 qui est égal à 12 fois 10 à la moins 3 en radians. Donc, que l'approximation des petits angles fonctionne. Donc, pour θ2, ça fonctionne aussi. C'est à peu près égal à sinus de θ2. Bon, je dis à peu près égal pour être rigoureux parce que dans les chiffres avec les arrondissements, c'est absolument égal. Maintenant, si on voulait convertir ça en y, les valeurs de y, on va les faire ici. Ben, l'équation pour avoir les valeurs de y, en prenant l'approximation de Fraunhofer, on sait que je vais l'écrire ici. Tiens, un petit peu de place. Donc, on sait que puisque L est beaucoup plus grand que A, donc beaucoup plus grand que A, 3 mètres par rapport à 0.1 mm, on peut donc dire que, ben, on peut toujours utiliser, donc la tangente de θ1, c'est égal à y1 sur L. Donc de manière générale, tangente de θ, c'est égal à y sur L. C'est à peu près égal à sinus de θ, quand on fait l'approximation sur les petits angles, et sinus de θ, c'est égal à m lambda sur A. Donc quand on prend ces termes-là, qui sont égales entre eux, puisque tout est égal, on va donc trouver que ym, la position du premier minima, donc m majuscule, est égale à m lambda L sur A. Hein? Tout à l'heure, on avait la position sin θ est égale à m lambda sur A. Maintenant, on a la position y du premier minima en fonction de m. OK. Et on voit, comme j'ai mentionné tantôt dans la théorie, que ça dépend de L. Bien sûr, plus L est loin, plus la position y du premier minima est grande, hein, parce que regardez, votre angle ici, il continue. Donc, si vous reculez l'écran, bien sûr, y1 va augmenter. Les angles divergent. Alors, continuons sur notre lancée. On va donc pouvoir trouver que y1 est égal à 1 fois 600 fois 10 à la moins 9 fois
3 divisé par 0.1 fois 10 à la moins 3. Et on va trouver que Y1 est égal à 1.8 cm. Donc, j'ai fait la conversion en centimètres. C'était pratique. OK. Alors que là, j'avais tout mis en mètres. Hein. Donc, c'est fois 10 à la moins 9 mètres, fois 10 à la moins 3 mètres. Même raisonnement pour Y2. Donc, Y2 est égal à 2 cette fois, fois 600 fois 10 à la moins 9 fois 3 divisé par 0.1 fois 10 à la moins 3. Vous voyez que la seule chose qui change, c'est la valeur du m. M égale à 1, m égale à 2. Et quand on pitonne, on va trouver que Y2 est égal à 3.6 cm. Quand on obtient une réponse, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est valable? Donc, tout à l'heure, on avait trouvé que l'espacement entre les franges brillantes de diffraction, c'était la formule suivante. Delta Y est égal à lambda L sur A. Donc, on voit que c'est bien ici la même chose. Si M égale à 1, donc lambda L sur A. Donc, ici, c'est égal à 1.8 cm. Et ça va être vrai partout. Donc, l'espacement entre chaque frange brillante... entre chaque frange sombre est de lambda L sur A. Parfait. Maintenant, on va nous demander, on nous demande autre chose. On nous dit, pour quelle valeur de A on n'observe aucun minima? Donc, tout à l'heure, dans la théorie, je vous ai montré que quand on faisait varier A, qu'il devenait trop petit, ben, le patron de diffraction s'uniformisait. Puis on n'observait plus ces minima de chaque côté. Donc, au fur et à mesure où A diminue, les minima s'éloignent. Puis lorsque, à la limite, lorsque A est égal à lambda, ben les premiers minima sont très, très, très loin. Donc, les θ1 ici, ils deviendraient vers 90 degrés. Hein? Donc, lorsque A est égal à lambda, au lieu d'avoir un θ1 ici qui va être à 0.34 degrés, ça va augmenter jusqu'à 90 degrés. Donc la question c'est, pour quelle valeur de A on observe aucun minima? Donc, si θ tend vers 90 degrés, bien sûr, même si j'ai un écran très, 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 très grand, ben, il ne va jamais le toucher. Donc, sinus de θ, on va dire θ1 si on veut, là, le premier minima, doit être égal à sinus de 90, donc doit être égal à 1. Avec notre équation, sinus de θ est égal à 1 fois lambda sur A, et c'est égal à 1. Donc on a conclu, lorsque A est égal à lambda, θ1 est égal à 90 degrés, donc aucun minima. Donc pour toutes les valeurs, pour être général, si je voulais être quelle valeur, on peut mettre un S ici, pour quelle valeur de A on n'observe aucun minima, ben ça va être vrai si
A plus petit ou égal à lambda. Maintenant, ça serait intéressant de calculer la position Y. Ben oui, on a dit qu'on était capable de calculer θ1, puis de faire le lien entre Y1 puis θ1. Mais là, si θ1 est de 90 degrés, ça va être quoi la valeur de Y? Alors, on va prendre l'autre équation. Donc, l'autre équation qu'on avait trouvée pour les positions de Y. Donc, position angulaire maintenant. Position, donc, valeur de Y. Valeur de Y1 si θ1 égale à 90 degrés. Donc, on sait que YM est égal à M lambda L sur A. Donc, Y1 est égal à lambda L sur A. Et nous, on vient de dire que si θ est égal à 90 degrés, A est égal à lambda. Donc, on va avoir Y1 est égal à 1 sur 1 fois L. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens? Ça veut dire que si mon écran est de 3 mètres, mon premier minima serait à 3 mètres. Bon, c'est déjà loin. Mais c'est pas à l'infini. 90 degrés, ben, il ne va jamais toucher l'écran. Il ne touchera pas à 3 mètres. Donc, θ va être très grand, mais il ne sera pas de 90 degrés si mon premier minima est à 3 mètres. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans vos équations? Bon, si on était en classe, je poserais la question. Maintenant, il n'y a personne devant moi sur une caméra, donc je vais devoir répondre tout seul. Alors, vous voyez bien quelque chose qui ne fonctionne pas. L'approximation qu'on a utilisé, nous, ici. Tangente de θ est égale à y sur L, ça c'est vrai, toujours vrai. Puis c'est à peu près égal à sinus de θ dans l'approximation des petits angles. Si θ est petit, on a vu que pour θ1 et pour θ2, c'était des petits angles. Les θ en radian correspondaient au sinus pour le θ1 et pour le θ2. Mais ça sera plus vrai si θ1 est égal à 90 degrés, je ne peux pas dire que c'est un petit angle. Alors ça ne fonctionne juste pas. Je ne peux pas utiliser l'approximation de Fraunhofer dans les limites où θ est trop grand. Même si L est très loin de l'écran, dans la limite où j'ai A qui est égal à lambda, mon premier minima va se trouver à 90 degrés, il ne va jamais toucher l'écran. Avant d'effacer le tableau, il reste encore de la place. C'est toujours bon de compléter avec d'autres questions. Par exemple, on pourrait demander, c'est quoi la largeur du pic central? Donc, la largeur du pic central. Donc, du pic central, c'est la frange brillante centrale, la frange brillante de diffraction. Ben, on avait trouvé l'équation du tantôt, là, je ne sais pas si on le voit ici. Sinon, ben, on le voit, c'est deux fois plus large que n'importe quel autre pic. Donc, on avait dit que j'avais trouvé une équation. Donc, la position calcule la largeur. Ben, la largeur du pic central, c'est deux fois lambda L sur A. Donc, deux fois l'espacement entre les pics. Là. Donc, la largeur, c'est égal à 2 fois lambda L sur A. Lambda L sur A, on a calculé que c'était égal à 1,8. Donc, ben, on va mettre les chiffres. C'est égal à 2 fois 600 fois 10 à la moins 9 fois 3 divisé par 0,1 fois 10 à la moins 3. On avait calculé, nous, que c'était égal à 1,8. Donc, ça va être égal à 2 fois 1,8. Donc, c'est égal à
3,6 cm. Question facile. L'espacement entre deux franges brillantes. Donc, l'espacement entre deux franges sombres. Qui est le même aussi entre deux franges brillantes, soit dit en passant. Ben, on sait que delta Y, ça va être égal à Y de M plus 1 moins Y de M. On en a calculé deux, donc le premier M plus 1, ça peut être 2, donc c'est égal à Y2 moins Y1. Il se trouve que Y2, c'est 3,6. Donc, c'est égal à 3,6, puis Y1, c'est 1,8, moins 1,8. Donc, delta Y, c'est égal à 1,8 cm. C'est l'espacement entre deux franges sombres. Donc, ça va toujours être le même ici. Et ça va être aussi l'espacement entre deux franges brillantes. On l'avait démontré tantôt. Voilà, maintenant je peux effacer mon tableau, il est assez plein pour moi. Ok, le dernier exemple pour ce cours d'aujourd'hui, c'est l'exemple 7.2 pardon, du Benson 5e édition. Alors on nous dit qu'on a deux fentes, maintenant c'est deux fentes, dont la largeur est de 0,25 mm et qui sont distantes de 1 mm. Donc, vous allez voir, les deux patrons de diffraction sont séparés là, de leur centre de 1 mm. Sur un écran qui est très loin, ça ne paraîtra pas. Donc, on a deux fentes. Donc, quand on a deux fentes, ça veut dire, donc dire qu'on va avoir de l'interférence. Et de la diffraction. Les deux fentes, la largeur des fentes est la même. A est égal à 0,25 mm et la distance entre les fentes D est égal à 1 mm. C'est tout ce qu'on nous donne. On ne parle pas de longueur d'onde. On ne parle pas de distance de l'écran. Ce qu'on nous demande par contre, on nous demande quel maxima d'interférences vont être absents dans la figure obtenue. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je vous ai dit tout à l'heure que les franges brillantes d'interférence qui normalement, quand il y a que de l'interférence, ont toute une intensité égale, quand les deux phénomènes se produisent en même temps, l'interférence et la diffraction, l'intensité des fentes d'interférence est modulée par le patron de diffraction. Donc, il suffit qu'on ait la position d'une frange d'interférence brillante située en dessous d'un minima de diffraction pour que cette frange-là disparaisse. Alors, c'est ce qu'ils veulent dire. Donc, quels maxima d'interférence sont absents? Question A. Maxima d'interférence sont absents. Et la question B, combien il va y avoir de franges d'interférence dans le maximum central de diffraction? Combien il aura de franges
d'interférence. Et là, c'est sous-entendu les franges brillantes. Dans le maximum central de diffraction. Et je vais vous en poser une troisième. C'est combien il en aura-t-il dans les maxima secondaires? Donc, c'est trois bonnes questions. OK. Alors, bon, d'abord l'équation qui va nous donner les maxima d'interférence. Ou les franges brillantes d'interférence, si vous préférez. C'est donné par D sinus sinus de θ est égal à m, petit m lambda, avec les valeurs de m qui sont égales à 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, ainsi de suite. Donc on a une première équation qu'on avait vue dans le cours précédent, ou dans le premier cours sur l'interférence dans les fentes d'onde. Et on a l'équation du cours d'aujourd'hui qui va nous donner la position des minima d'interférence, minima de diffraction. Alors cette équation-là, c'est A sinus de θ est égal à grand M lambda. Toujours avec les valeurs de maintenant grand M est égal à 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, ainsi de suite. Donc on a deux équations. Et on voit très bien que les lambdas vont se simplifier dans chaque équation. Les sinus peuvent être mis en évidence. Donc, sinus de θ, d'après l'équation 1, est égal à petit m lambda sur d. Et c'est égal, d'après l'équation 2, à grand m lambda sur a. Les lambdas s'annulent. Donc, on va avoir un rapport de proportion. Alors, ce qu'on va calculer va être vrai pour toutes les longueurs d'onde. Donc, on va avoir m sur d est égal à grand m sur a. Alors, si je veux calculer les valeurs de m, de grand m, on peut isoler m. Donc, grand M est égal à M, A, petit m, A sur D. Mettons les valeurs. Donc, grand M est égal à 0, non, pardon, 0, non, on va l'écrire autrement, ça va être plus clair pour vous. A sur D. On peut même faire mieux. On va carrément écrire le rapport de proportion grand M sur M. Donc, grand M sur petit m est égal à quoi? Est égal à petit a sur d. Voilà. Donc, c'est égal à petit a, c'est 0,25 mm. 0,25 mm divisé par 1 mm. Donc on voit qu'on a un rapport 1 sur 4. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
ça veut dire qu'on peut l'écrire différemment, mais on peut l'écrire aussi, pour ceux qui comprendraient mieux comme ça, petit m est égal à 4 fois grand M. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que on va écrire le rapport donc m petit m. Donc si m égale à 1, petit m est égal à 4. Si m est égal à grand M est égal à 2, petit m est égal à 8. Si grand M est égal à 3, petit m est égal à 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le premier minima de diffraction, donc grand M égal à 1, la frange d'interférence qui se trouve à la même position, c'est la frange 4. Donc on va dessiner tout ça. On va essayer de faire ça à l'échelle. Voilà. Donc on a le maximum central de diffraction. Le maximum secondaire pour m égale à moins 1, m égale à moins 2. Pareil de l'autre côté, m égale à 1, m égale à 2. Et ce qu'on nous dit, c'est que ici, j'ai grand, je vais mettre les valeurs de grand M au-dessus. M égale à 1, m égale à 2, m égale à 3. Pareil d'autre côté, grand M égale à moins 1, grand M égale à moins 2, grand M égale à moins 3. OK, on nous dit que c'est la frange, on va mettre les franges d'interférence. Donc la frange centrale, petit m égale à 0. On nous dit que la 4 va disparaître, que la 8 va disparaître, que la 12 va disparaître. C'est symétrique de l'autre côté. Ça veut dire que j'ai 1, 2, 3. Donc ici, j'ai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, je peux dessiner mes franges d'interférence qui vont, dont l'intensité va être modulée par le patron de diffraction. Et oups, la 4, elle se trouve en dessous. Elle n'est pas là. Ensuite, on va avoir 5, 6, 7, 8. 8 elle disparaît. 9, 10, 11, 12 elle disparaît. Donc ça va être symétrique de l'autre côté. Et voilà. L'espacement entre les franges d'interférence est absolument identique. La symétrie devrait être absolument parfaite. Ici, vous voyez une petite déviation dans le maximum de diffraction secondaire. On peut corriger le tout facilement. Voilà. Donc, alors, combien il y a de franges d'interférence dans le maximum central? Ben, c'est facile. C'est la 1, 2, 3, la moins 1, moins 2, moins 3, plus la 0. Donc, il y en a 7. 7 franges brillantes d'interférence. Et dans les autres, on sait que les deux autres, en fait, tous les maximums, toutes les franges brillantes de diffraction sont deux fois moins larges que la frange centrale. On exclut la valeur du 0 qui est commune à tout le monde. Donc, il va y en avoir 3 dans chaque. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Donc, il va y en avoir trois franges brillantes d'interférence. Dans les autres. Alors voilà, donc c'est un problème assez simple à résoudre et ça fonctionne pour toutes les longueurs d'onde comme vous le voyez parce que les lambda s'annulent. Donc ce système là avec des fentes de largeur de 0,25 mm, distantes de 1 mm, vont toujours donner ce pattern de diffraction là qu'on verrait sur un capteur d'intensité. Donc ça, c'est vraiment l'intensité. Et si on observait sur un vrai écran, ben, on verrait nos franges de diffraction comme ça ici. La 4 disparaîtrait, la 5 serait là, d'interférence, je voulais dire. Voilà, la 8 disparaîtrait, la 9, la 10, la 11, et symétriquement de l'autre côté aussi, là, donc. Voilà. Et bien sûr, l'intensité serait plus brillante au centre, en diminuant graduellement de chaque côté, et ça s'atténuerait vers les extrémités parce que l'intensité des franges de diffraction est modulée par le patron d'interférence dont les maxima diminuent plus on s'éloigne pour les valeurs des Y. Voilà, ça conclut le cours d'aujourd'hui sur l'interférence et diffraction.